Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser avec vous ce joli petit haut. Alors c'est un point qui est très très facile à faire. Et en fait, moi j'ai fait tout en quadrillé, tout simplement. Alors je vais vous montrer, voilà, comment j'ai réalisé ce petit haut. Alors on va tout simplement faire deux pièces, deux grandes pièces. On va commencer à le faire par toute la longueur, assez grand jusqu'en bas. Et ensuite, moi, parce que je voulais quelque chose de très large sur le côté, on va tout simplement le retourner et prendre, que j'y arrive bien, prendre les dimensions par rapport à la tête et aux épaules. Alors en fait, là j'en ai mis trois parce que je vais pas l'attacher comme ça avec du fil. Je vais l'attacher avec des petits cerceaux que j'ai entourés de laine. De toute façon, je vais vous montrer après. Alors là, c'est pareil. J'ai déjà fait mes repères, hein, par rapport à ma tête, donc à mes épaules, ici et à la fin de mes épaules. Et là, j'ai déjà aussi fait mon repère par rapport à mes bras, en dessous de mes bras. De toute façon, après, je vais vous dire combien j'en ai fait. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà passer au tutoriel et après je vais vous expliquer combien de quadrillés j'ai fait de haut et combien j'ai fait par rapport à la séparation. Alors, vous allez tout simplement monter, je vais faire un peu la caméra, voilà, pour que vous allez bien voir, on va tout simplement faire une maille chaînette. Alors moi, pour mon tutoriel, pour le mien de petit haut, j'ai monté 81 mailles. En fait, j'ai monté 80 plus 3 mailles en l'air, parce que les 3 mailles en l'air, c'est pour faire les 3 mailles de départ, quoi, la bride. Alors ça fait en tout 81 en comptant les 3 mailles en l'air. Hein. Et là, je vais pas faire 81, je vais vous montrer un petit bout. Alors je vais m'arrêter là, je vais faire une bride, 1, 2, 3, 4, dans la quatrième. Oh non, je me suis trompée, c'est pas ça. C'est 5 brides, parce que je commence directement à quadriller. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la cinquième, on va faire une bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et on va sauter une maille et dans la deuxième, on va refaire une bride, une maille en l'air, une, et dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, je vais prendre un petit peu de laine, une, deux, dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, une, deux, une bride. Une maille en l'air, là il reste une bride, il reste une maille, dans la deuxième maille, on fait une bride. Ensuite on va retourner le travail et on va faire toujours la même chose, 1, 2, 3, 4, parce qu'on fait 3 pour faire une bride et une maille en l'air en plus. Et là, on va directement dans la bride. Une maille en l'air. On repart dans la bride. On fait une bride. Une maille en l'air. Vous voyez, on fait toujours la même chose en fait. Et à la fin, pareil. On fait une bride, une maille en l'air, et là on va se fixer la troisième. 1, 2, 3, parce qu'on laisse une maille, et voilà. Et on termine par notre bride.
Alors là, c'est avec ce point-là que j'ai fait ce petit haut. Alors vous avez vu, il n'est vraiment pas compliqué. Ensuite, vous commencez toujours pareil, en fait. 4 mailles en l'air. Donc 3 équivaut à une bride plus une maille en l'air. Et vous repartez sous vos brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Tout simplement. Alors, ce pull-là, je l'ai réalisé avec la laine de chez Action. Elle fait 100% acrylique et 100 grammes. Et elle fait 238 mètres. Et puis mon petit haut, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, que je vous explique. Je vais prendre mon petit haut. Alors, vous allez juste faire deux grandes pièces. Alors moi, je voulais quelque chose de large. Voilà, que ça tombe bien sur l'épaule, que ça fasse très joli. Alors, pour la hauteur, j'ai monté, j'ai même pas marqué sur un papier tout à l'heure, j'ai pu le marquer, bon, c'est pas grave, on va recalculer. Alors, j'ai fait. Là, je vais calculer par rapport au quadrillé, hein, voilà. Non, même pas, parce que vu ça fait 3, 4, non, j'ai carrément calculé comme ça. Donc, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81. Voilà. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure au départ. Alors j'ai monté 81 mailles chaînettes. Alors, pour la largeur, j'en ai fait combien en fait? J'ai fait combien de rangs? Alors pour la longueur, moi je compte par rapport au trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Alors pour la largeur du pull, les épaules jusqu'en bas, voilà, c'est ce que j'ai fait comme ligne. Alors, une fois que vous aurez fait le nombre de mailles que vous voulez, bah comme je vous ai dit, on va pas laisser le petit haut comme ça, de là à là, on va tout simplement le retourner dans tout le sens de la largeur, parce que moi je voulais quelque chose de très grand, voilà. Alors, moi ce que j'ai fait, alors là il y en avait combien là? Il faudrait peut-être que je marque parce qu'après je m'en souviens plus. Je vais chercher un stylo parce que c'est embêtant parce qu'à chaque fois il faut que je recalcule. Alors, j'ai fait combien de quadrillés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. C'est bien ça, hein? Bon, c'est bien ça. J'ai fait 45, hein, tout le long. Donc là, je vais vous montrer. Alors, le pull, hein. Alors au départ quand on l'a fait, nous, bah moi quand je l'ai fait comme ça en fait. Là il y a 45 carreaux. Alors ici, ça vous allez bien vous en souvenir. Oula. Je vais quand même recalculer par rapport en bas, hein. Je dis pas de bêtises. Alors,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà. Alors en bas, le bas j'ai fait 40. 40 carreaux en fait, hein. C'est des carreaux que je calcule. Hein. Alors ça, c'est le pull quand vous commencez. Alors moi, j'ai fait 40 carreaux. Je l'ai fait tout en longueur comme ça. Jusqu'en avant, on est 45 carreaux. Et une fois que j'ai terminé mes deux pièces comme ça, parce qu'en fait, il en faut deux pièces. Ensuite, je l'ai carrément retourné comme ça, mon pull. Parce que moi, je voulais quelque chose de très large devant. Alors ensuite, j'ai fait une séparation ici. Ben, ici, bon, je vais mieux être en bas parce que j'ai pas assez de place. Là, c'est pour la tête, hein, le cou. Et là, j'ai fait deux. Voilà. Pour finir les épaules. Et ici. Voilà. C'est ce que je voulais, en fait. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, je vais me retourner dans le bon sens. Alors, maintenant, une fois que j'ai séparé, une fois que j'ai fait la séparation de mes épaules, j'en ai gardé deux de plus. Comme au départ, je vous avais expliqué, parce que je voulais pas le faire avec une couture, je vais le faire avec des cerceaux en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer. Après aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, la séparation des bras, donc là c'est mon bras, là c'est le niveau de mes sous-bras. Alors là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais le marquer pour m'en souvenir sur mon petit papier. Alors ici, sous les bras, je me suis arrêtée à 15 carreaux. 15 carreaux sous les bras. Alors, ce qui est du haut par rapport au bout. Alors au bout, j'ai calculé. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis arrêtée au 7e carreau. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Là, je me suis arrêtée au 7e carreau. Et à côté, à partir de celui-là, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et l'autre, je me suis arrêtée au 8. Bon, je mets là parce que j'ai pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, tout simplement. Alors moi, après, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez simplement à coudre tout le long, hein, pour fermer votre pull. Tout simplement. En dessous du bras et de l'autre côté pareil. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que je voulais faire. Donc là, je pense que vous avez bien compris. Alors maintenant, je vais vous montrer. Je vais prendre un petit peu la caméra comme ça. Alors voilà comment je veux fermer mon petit pull. Que je prenne mes petits cerceaux que j'avais déjà préparés d'avance. Mais après, de toute façon, je vais m'en faire un avec vous, hein, pour vous montrer. Hop, voilà. Voilà avec quoi je vais le fermer en fait. Alors en tout, il en faut une, deux, trois de chaque côté. Là, j'avais déjà fait trois. Voilà, trois pour ce côté-là. Et là, je n'en avais fait que deux. Parce que en fait, j'avais laissé un exprès pour vous montrer comment j'ai fait. Hein, tout simplement. Alors, quand on aura fait nos trois petits sacs avec la laine, ensuite, on va tout simplement le coudre ici. Voilà, moi je voulais faire quelque chose de sympa, original. Voilà. Donc je vais en mettre un ici, au niveau de l'épaule, un ici, et puis un à la fin. La fermeture, et ben, enfin, je vais fermer comme ça. Et ici, ça laissera des petits trous. Je trouve ça très joli et original. Tout simplement comme ça, je vais faire mon petit pull. Alors,
Ces trois-là, j'ai déjà fait. Je vais les mettre de côté. Là, j'en avais déjà fait deux. Puis maintenant, ce que je vais faire le troisième avec vous. Alors, pour vous expliquer, ça, c'est des petits ronds comme ça en plastique. Ça faisait très longtemps que je les avais achetés. Alors en fait, ça, moi, j'avais acheté ça à Centracor. C'est dans les rayons douche. Vous savez, quand vous mettez vos rideaux douche, voilà, pour les changer, et bien c'est des petits cercles comme ça en plastique, tout fin. Alors en fait, j'ai pris ça et je m'en suis servi pour faire ce petit rond et pour fermer mon cul. J'ai dit pourquoi pas. C'est sympa. Tout simplement. Mais ça, je sais que vous pouvez les trouver dans n'importe quelle surface. Vous allez aussi dans les surfaces, vous savez, où est-ce qu'ils vendent les rideaux, les tringles, tout ça. Mais ils en font souvent. Hein. Des fois, c'est couleur en bois, des fois, c'est en plastique blanc. Voilà, il y a plusieurs sortes. Des fois, c'est même en fer. Mais je sais qu'il y a plusieurs sortes. Hein. De toute façon, c'est très facile à trouver, ce genre de choses-là. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Alors, je vais vous montrer. Je vais baisser un peu ma caméra. Alors, je vais prendre ma petite laine. Je vais couper un petit bout. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Je vais monter un petit peu. Alors, quand vous allez prendre vos petits cercles, moi je l'ai fait avec le petit crochet numéro 3. Là, on va passer le crochet à l'intérieur et on va faire sortir la laine comme ça, tout simplement. Alors ensuite, peut-être que je l'ai un petit peu mal pris, il n'est pas assez grand. Je vais recommencer tout doucement. Alors voilà, on va tout simplement faire comme ça. Donc le fil qu'on avait là, moi je vais le passer en même temps, je le mets carrément sur le crochet. Ensuite, on va passer le crochet à l'intérieur et on récupère le fil derrière. Et on va faire tout le long des mailles serrées. La première, c'est un petit peu difficile. Je prends un petit peu de laine. Alors voilà. Je vais y aller tranquillement, mais sûrement, comme on dit. On passe le crochet en dessous. On récupère le fil. Et tout le long, on va faire des mailles serrées. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Ce que je vais faire, je vais pas laisser le fil qui est déjà bien pris dans le plastique. Je vais couper le fil qui est dépassé. Je vais déjà le couper maintenant. Tout ça, je vais pas le faire jusqu'au bout. Hein. N'a pas besoin. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà. Alors, une fois que vous allez arriver au bout, n'hésitez pas à prendre votre laine et tirer un petit peu comme ça quand même. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'au lavage après, quand on va le passer à la machine à laver, la laine elle a toujours tendance un petit peu à se lâcher. Quoi. Et après, j'ai peur que ça fasse un petit trou en force. Mais on voit le plastique. Donc n'hésitez pas à faire comme ça au bout pour qu'il y ait plus de laine possible en fait. Tout simplement. Hein. Voilà, assez. Puis une fois que vous arrivez à la maille qui était juste ici, là, on va tout simplement rentrer dedans, on va faire une maille coulée, et là, par contre, on va laisser un fil assez grand. Voilà. Comme ça, on sera quitte de reprendre du fil pour la couture. Hop. Et on va passer le fil
directement à l'intérieur. Comme ça. Alors, maintenant, on va passer à la couture. Voilà, je vais en prendre déjà une. Je vais mettre mon petit pull comme il faut. Alors, une fois qu'on est face à nos quadrillés, là, eh ben, on va prendre celui-là, là. Par contre, je pense que je vais changer d'aiguille parce que celle-ci, elle m'a l'air un petit peu trop large. Ouais, je vais changer d'aiguille, je préfère. Alors ensuite, on va passer le dans l'aiguille. Alors, là, on est juste en face des petits carrés. Et bien, nous, je ne vais pas le retirer parce qu'après, j'ai peur. On va se fixer directement au premier qui est là, entre les deux. Vous avez la bride là, la bride là, qui est juste à côté. Donc, on va commencer à prendre la première bride. On va faire plusieurs trous, plusieurs... Et on va coudre ça quoi, tranquillement. Et en fait, on va le coudre. Maintenant, je peux retirer le crochet du haut. Voilà. Et on va le coudre jusqu'ici, en fait, la deuxième bride. Donc, en prenant par les mailles. Hein. Et là, on arrive bientôt à la bride. Vous voyez, c'est joli comme tout. Hein? Alors ensuite, ce qu'on va faire, moi je vais faire comme ça. Je vais reprendre celui-là, là, comme il faut. Hop. Là, je me suis arrêtée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre une laine assez grande. On va tout simplement glisser tout le long. Comme ça, on est quitte de changer de laine, de recouper, de faire des petits bouts. C'est pas joli, en fait, d'avoir plusieurs bouts de laine. Pour moi, c'est plus pratique comme ça, en fait. Que chacun il peut faire comme il veut. Hein. Voilà, alors une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai presque arrivé au bout, non pas encore, là on va continuer encore un peu, hein, jusqu'à ce que on arrive bien. Encore un petit peu. On n'est pas encore en face de... Oui, encore un tout petit peu ici, voilà. De toute façon, vous verrez bien, une fois que vous allez le faire, il faut vraiment que votre fil il soit face à la couture. Hein. Donc, encore un petit peu et c'est bon. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, une fois qu'on arrive ici, ben, c'est pareil, on recommence. On se repère à la première bride et on va coudre jusqu'à la deuxième qui est là. Alors, maintenant, je peux retirer mon crochet et on va continuer comme ça. Faire comme ça sera peut-être plus facile de le prendre comme ça, oui. Voilà. Alors voilà ce que ça donne déjà, une de fait.
Alors maintenant, ce qu'on va faire de la finition, on va tout simplement passer les petites mailles là sur le côté. Et on va repasser par devant. Un petit coup par devant. Encore un petit coup par derrière. Hop. Et hop. Et maintenant, on peut couper notre fil. Ben voilà ce que ça donne. Comme c'est joli comme tout. Moi j'aime beaucoup. Hein. Alors maintenant ce que je vais faire, je suppose que vous avez compris là. Alors moi je vais continuer. Je vais faire les deux qui sont là. Et ensuite je vais faire les ceux-là qui sont sur le côté. La même chose. Et une fois que j'aurai fini, comme au début je vous avais dit, eh bien, je vais coudre tout simplement en dessous de l'épaule jusqu'ici en bas. Alors une fois que c'est fini, eh bien, je vais vous montrer mon petit plus que ça donne. A tout de suite. Alors ça y est, je l'ai cousu partout. Alors maintenant, je vais vous montrer une fois fini ce que ça donne. Je vais monter un petit peu la caméra. Alors regardez ce que ça donne une fois que c'est fini par rapport aux épaules, la finition. Moi, je trouve ça vraiment très joli et très original. Ça va donner comme ça en fait au-dessus des épaules. Et là, ça va retomber sur le côté. En fait, ça va retomber comme ça à peu près. Ça va vraiment être très joli. Alors ensuite, j'ai fini la couture. Vous avez vu. C'est vraiment juste en face des points brides. Et de l'autre côté, pareil. La même finition. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais mesurer mon pull depuis la hauteur jusqu'en bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon mètre? Le voici. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir quand je vais mesurer. Bon, après, ce n'est pas trop grave. De toute façon, je vais vous le dire. Alors, depuis la hauteur jusqu'en bas, il fait exactement 52 centimètres. Et de la largeur, j'aime bien mettre comme il faut. Alors la largeur, il fait 64 centimètres. Il est vraiment parfait. Alors en plus, moi ce que j'aime bien, parce que quand je fais avec la laine de chez Action, je la prends souvent en fait, parce que je trouve que c'est une laine qui est très légère. Puis quand on fait comme ça des petits ouvrages, et bien en fait on peut les mettre tranquillement l'été, ça ne tient pas du tout chaud, au contraire. Et c'est vraiment léger, c'est très très léger. Et en fait ça ne nous pèse pas sur les épaules. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser cette laine par rapport à ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des laines qu'on prend, elles sont lourdes, lourdes. Elles tiennent trop chaud, elles sont lourdes, elles sont immétables. Il faut vraiment les mettre quand il fait très très froid et puis c'est embêtant des fois. Alors c'est pour ça dans mes vidéos, vous voyez souvent utiliser des laines de chez Action, mais c'est surtout par rapport à ça. Parce que c'est des laines qu'on peut utiliser en demi-saison, en fait. On peut toujours les mettre, elles sont pas trop chaudes, pas trop froides, elles sont vraiment très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu. En tout cas, moi, je trouve que mon pull, pour moi, il est très bien. Il est vraiment très, très sympa. Eh bien, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.